Splatador jardinait. C'est bientôt le printemps, mais aujourd'hui, il pleut. Splat est bien embêté à l'idée de passer toute la journée à la maison. Soudain, Harry Souris entre dans sa chambre, en tenant une drôle de graine. « Où as-tu trouvé ça? » demande Splat étonné. Harry Souris regarde la graine, en haussant les épaules. « Je me demande ce que ça peut bien être? » s'interroge Splat. « Il n'y a qu'une solution pour le savoir, » continue Splat. « Il faudrait qu'elle pousse. » « Pour cela, il faut commencer par la planter. »« Mais je n'ai jamais rien planté. » « Et toi, as-tu déjà planté quelque chose? » demande Splat à Harry Souris. Ce dernier hausse encore les épaules. « Alors, direction la bibliothèque, » annonce Splat. Splat et Harry Souris cherchent un livre de jardinage dans le rayon de la bibliothèque. Mais ce sont des livres beaucoup trop compliqués. Splat veut faire pousser une petite plante, pas un champ de maïs. Splat demande de l'aide à la bibliothécaire. Elle lui tend enfin le livre qu'il lui faut. Le guide du chat jardinier. Commencez par remplir un pot avec de la terre, explique le livre. Malheureusement, Splat vise mal. Plantez ensuite la graine dans la terre. Placez le pot au soleil et arrosez. Malheureusement, Splat vise mal encore une fois. Splat observe son pot de terre tous les jours, en espérant qu'une tige va apparaître. Il se demande bien quelle plante va sortir. La graine va peut-être donner un buisson de roses piquantes ou un arbre allant jusqu'au ciel. Splat n'en peut plus d'attendre. Il chante des chansons à sa plante. Il lui lit des livres et il lui raconte même des histoires. Pendant 2 semaines, il compte les jours. Il commence à perdre espoir. Désespéré, il arrose encore une fois son pot. On ne sait jamais! Et à cet instant, la terre du pot se met à trembler. Une petite tige verte apparaît. Splat crie de joie, puis il s'arrête net de peur. D'effrayer la graine et de la voir rentrer sous terre. Pendant les semaines suivantes, la plante grandit un peu plus chaque jour. Un jour, un petit bourgeon apparaît. Splat est le plus heureux des chats. Le jour suivant, le bourgeon s'ouvre et une fleur éclot. Ce n'est ni une plante tropicale, ni un buisson de roses piquantes, ni un arbre immense. C'est juste une fleur! Une petite marguerite, mais Splat sait tout de suite à qui l'offrir. Je l'adore, dit maman. C'est la plus belle fleur du monde. Splat sourit et fait un câlin à sa maman. C'est moi tout seul qui l'a fait pousser, explique Splat. Et aussi un peu Harry Souris,